Tout d'abord, le premier coup de parent sur le bassin alésien est un dispositif porté par l'association Passage. Il est piloté par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Ce dispositif est un lieu d'écoute pour les parents quand tout va trop vite, quand ils traversent un moment difficile avec leurs enfants et quand ils se sentent fragilisés par le cumul des problématiques. Le PEP se situe à un espace intermédiaire entre l'accompagnement éducatif et social traditionnel et la prise en charge thérapeutique. Il est soumis au principe de la libre adhésion et de la confidentialité. Le point écoute parent donc se veut réactif, gratuit, d'accès facile et sans formalité administrative. Le point écoute parent donc propose un accueil pour les parents pour parler de ce qui est difficile, une écoute attentive afin de les aider dans les situations et à prendre du recul. Le point écoute parent sert aussi à trouver des solutions pour créer des relations nouvelles. Les écoutants sont des professionnels du travail social. Ils exercent leur métier dans les différents services de l'hôpital, de l'éducation nationale, du département de la Haute-Savoie, de la mairie d'Annecy et de l'association Passage. Et ces professionnels sont tous formés à l'entretien familial. Pour prendre un rendez-vous, les parents doivent laisser un message sur un téléphone unique. Il sera rappelé dans la journée. On lui proposera une date d'entretien dans la semaine ou dans les 15 jours. Le numéro de téléphone est le suivant, le 06 19 94 09 85. Et pendant cette période de confinement, le PEP propose aussi des entretiens téléphoniques aux parents qui en ressentent le besoin.